Good morning, allez Yiden, nous étudions aujourd'hui Maseret Ta'anit Perek Dalet, Mishnah Chet, la dernière Mishnah de la Maseret Ta'anit avec un petit zioum aujourd'hui. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, lo hayu yamim tovim leisrael kechamisha asar be'av uche yom ha-kippurim. Shebahen benot Yerushalayim yotzot bichlei lavan she'ulin, sholo levayesh et mi she'en lo. On s'arrête là déjà, on introduit, après on ira la suite. Rabban Shimon ben Gamliel nous enseigne que lo hayu yamim tovim leisrael, il n'y avait pas de yom tov, de jour, de joie, de simcha, beau au peuple d'Israël, kechamisha asar be'av, comme le 15 av, ou beyom akipurim, et comme le jour de Yom Kippour. Que chez Bahen, que durant ces jours-là, bnot Yerushalayim, les filles de Yerushalayim, yotzot bechle lavan sheolin, elles avaient un usage de sortir dehors avec des habits blancs empruntés, fallait nécessairement emprunter des habits d'autres filles, d'autres jeunes filles. Pourquoi on instaurait cet usage d'abord d'emprunter des autres? Shelo levayesh et mi she'en lo, afin de ne pas faire honte à celui qui n'a pas. En fait, on parle que ça manque un petit peu de précision. Ça va être précisé dans le Mishnah, mais en fait, elles sortaient donc et elles faisaient des rondes dans Yerushalayim. Et elles invitaient les Bahurim pas mariés à les regarder en leur disant, ben vas-y, choisis une et c'est le moment de se marier. Pourquoi d'abord à cette date de Tou B'Av? C'est un minhag un peu original, un peu difficile d'ailleurs, même à admettre. Ça n'a pas l'air très propre, disons, on va dire comme ça. Mais on va expliquer après. D'abord, premièrement, qu'est-ce qu'il y avait à Tou B'Av? Tou B'Av, il y a eu un jour, il y a eu plusieurs, cinq choses qui se sont passées. Tout d'abord, Kaloum était Midbar. Il rapporte ça un peu dans le Partenariat Noir. Premièrement, à l'époque du... Quand Hachem avait fait un décret que durant les 40 ans, tous les Bnei Israël, toute cette génération, allaient tous mourir. Comment ils mouraient? Alors, tous les soirs, tous les ans, à la date du Tisha B'Av, ils partaient se coucher dans des fosses, dans des kvarim, et ils allaient, tout le Israël, tous les hommes de cette génération, allaient se coucher, et le lendemain matin, Moshe Rabbeinu nous passait, et il disait, allez, levez-vous ceux qui sont encore vivants, et il y en avait qui se levaient, il y avait quelques 15 000, ou 16 000, je ne sais pas, qui restaient encore couchés, faites le calcul, 600 000 divisé par 40, et voilà, c'est à peu près ce qu'il y avait, en plus des magéfotes, ou quelquefois, il y a eu plusieurs fautes du Israël qui sont tombés. Et la dernière année, ils sont partis se coucher, ils sont levés le matin, et ils sont tous relevés, ils ont dit, bon, c'est qu'il doit y avoir un problème. On s'est trompé de calcul. On va redormir cette nuit. On va redormir la nuit suivante. Jusqu'à qu'il arrivait le 15 av, ils ont vu la pleine lune. Ils ont dit, ben là, Kanirak Hachem, il a été mochel à ce dernier groupe. Et donc, du coup, ça a été un jour de Yom Tov. Chez Kaloum était Midbar. Que ceux qui devaient mourir durant le désert, dans le désert, dans les 40 ans, eh bien, ils ont arrêté de mourir. Et en plus de ça, au bon batlo, Otam Shomrim Shoshi, Yerovam Ben Nevat, je lis le partenariat. Il y avait Yerovam Ben Nevat. Quand il a scindé la Malchut d'Israël en deux, après, il a eu peur que le Ham Israël, qui était sous sa tutelle, allait monter à Yerushalayim, voir Rechavam, le fils de Shlomo, et du coup revenir avec lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé que le Ham Israël n'allait plus monter à Jérusalem, il avait mis des gardiens, et pendant longtemps, du coup, le Ham Israël ne pouvait plus monter à Yerushalayim. Donc il y a eu Hoshea ben Ella, ça paraît précisément lui ici, mais il a annulé ces gardiens-là pour que l'Am Israël puisse reprendre l'usage de monter au Beth Amigdash. Donc c'est le deuxième. En plus, ça au bon nitnu arugue Beitar avec Vora, l'histoire avec le massacre de Beitar qu'on a évoqué dans deux missions précédentes, eh bien, les cadavres étaient restés comme ça durant, je ne sais pas combien de temps, mais durant longtemps, sans pourrir, intact. Et du coup, ce jour-là, à Tou B'Av, ils ont réussi à avoir la grâce du gouverneur qui leur a permis d'aller les prendre et d'aller les enterrer. Ubo ayu poskim milikot etzim le mara. Et aussi, vous vous rappelez, on avait vu que c'est un jour où on a porté les manatse koanim, ouais, on a porté les koanim durant ce jour-là, Tou B'Av. Et depuis ce jour-là, on a arrêté complètement de couper les bois pour le Betamigdash. Et du coup, maintenant, on a invité tout le monde à dire, bon, ça y est, on a fini le travail, maintenant pour le Betamigdash, repartez au Betamigdash, partez étudier la Torah. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête à cette date de Tou B'Av? Parce que Tou B'Av, c'est le milieu de l'été où maintenant, dès lors, c'est la fin du mois d'août en général, ça correspond plus ou moins, où il s'avère que il a commencé à avoir plus d'humidité dans l'air et ça peut faire des vers dans les bois. Et un bois pour qu'il monte sur le misbach, il doit être complètement propre. Ensuite, donc, ça c'était les bons événements qu'ils ont produits à Tou B'Av. Du coup, on a eu ce minag qui a été instauré à Yerushalayim. Ah, il manquait un qui n'a pas été précisé. Beau toi, je veux team, c'est marrant, il n'a pas dit le partenariat, je suis étonné. Il y avait une histoire aussi avec les
toute une histoire dans Pilegesh Bagiva, dans le Sefer Shoflim, où les Bnéminémines, ils avaient été massacrés par tout le reste du peuple d'Israël, parce qu'ils avaient fait une grave avéra, il restait juste 400 personnes, ils avaient le droit de se marier avec eux, donc du coup, la tribu de Bnéminémine, elle était en train de... 600 personnes. Et la tribu de Bnéminémine, elle était en train de diminuer complètement. Du coup, on a instauré qu'on pouvait recommencer à se marier avec eux. C'est de là qu'est revenu, en fait, l'usage de ça. C'est qu'en fait, on n'a pas dit qu'on allait se marier avec les enfants de Binyamin, mais on a juste dit que si Binyamin allait kidnapper une femme, et une jeune fille, et allait se marier avec elle, on ne lui faisait plus rien. Donc du coup, parce qu'on avait juré qu'on allait plus se marier avec eux, c'est toute une histoire, ça a rapporté longuement. Et donc du coup, on a de là est venu cet usage, en fait, où les filles sortaient et invitaient les Bachurim à « Vas-y, c'est le moment maintenant, c'est un jour, porte ouverte pour maintenant, c'est le jour des grands Shidduchim, en fait, à Toubéav, d'accord ?» Ça, c'était à 15 Av. Maintenant, à Yom Kippour, c'est le jour du don de la Torah, et on va aussi, au jour du don de la Torah, tel que c'est écrit dans la Mishnah, eh bien, c'est aussi encore un jour où les filles allaient séduire les Bachurim, enfin, allaient inviter les Bachurim à faire un Shidduch, à rencontrer pour, en vue de se marier. On a tendance à voir ça de manière mal, juste que se marier, il n'y a rien de plus beau si c'est fait dans la Doucha. Et justement, on va voir les filles, comment les inviter, les Bachurim, à regarder. Et donc, il fallait, donc on revient maintenant sur la Mishnah, on a dit qu'il fallait emprunter des vêtements blancs, et que emprunter, comme ça, celle qui n'a pas d'argent pour acheter des habits, elle dit rien, elle dit non, j'ai plus, j'ai déjà prêté, hein, et elle va l'emprunter chez une autre qui a. D'accord? Ensuite, Shalol Avayash et Mishanlo, afin de ne pas faire honte à celle qui n'a pas. Kol Akelim Teonin Vila, tous les ustensiles, tous les vêtements, doivent, il fallait les tremper au Mikvé, étant donné que c'est de longues lois avec les Touma Vetahara, entre ceux qui préservaient bien les lois de pureté et ceux qui ne préservaient pas bien les lois de pureté, entre la Maharetz. Du coup, il fallait aller d'abord, vous allez tremper les vêtements mais après vous les portez. Vous venez de Yerushalayim Yotzot, et les filles de Yerushalayim sortaient, des cholot bakramim, et elles faisaient des rondes dans les vergers des vignes, dans les vignobles. Ou Meayu Omrot, et qu'est-ce qu'elles disaient? Bachour, jeune homme, Sana Enecha, lève donc les yeux, Ma'ata Borer Lecha, choisis donc une d'entre nous. Alors, il y en a qui disaient, regarde-nous. Il y en a qui disaient, Altitanecha Banoy, Tanecha Bamishpacha. Ne regarde pas celle qui est jolie, regarde plutôt celle qui a une belle famille. En fait, c'était les plus jolies qui disaient « Regarde-nous !» Et celle qui était un peu moins jolie, qui avait une famille beaucoup plus miochesse, qui disait au contraire « Regarde donc, ne regarde pas la beauté, regarde plutôt la vie de la famille, parce que tu vas devoir fonder une maison, et il vaut mieux des gens avec une famille propre et des bonnes valeurs pour avoir des beaux enfants qui vont réussir et bien grandir, comme nous dit le verset chez Nehemar, comme dit le verset « Shekar achen veheva leofi » Le mensonge et la grâce et la beauté, elle est vaine, que Ishaïrat Hashem et Tit Halal, une femme qui a la crainte d'Hashem, c'est elle qu'il faudra louer et glorifier. Véomer, et un autre passage qui nous dit encore, et les filles, elles disaient, Tnoula Mipri Adéa, il manque un détail, en fait, il y avait trois femmes, trois sortes de femmes. Attendez, je vais y arriver deux secondes. Ah, non, ah, je me suis retrouvé. Et il y en a une autre qui disait, non, Shekhar Achen Véofil ne regarde pas ni la beauté, ni la famille, mais regarde plutôt la Irat Hashem. Ça, c'était alors celle qui invite plutôt la Bachurim à prendre quelque chose d'encore plus de qualité. Ni celle qui avait la bonne famille, mais plutôt celle qui avait la Yirat Shamayim. C'était trois, d'accord, c'est le trois niveaux. Et ensuite, le pasuk nous dit, Vomert, nous l'ami pri yadea via l'Eloua Be'asharim Asea. Comme dit la fin du verset, donnez-lui le fruit de ses actions, et par là, il la glorifieront, Be'asharim, dans les Sharim, dans les portes, pour ses actions qu'elle a fait, en fait. En deux mots, quoi, la Yirat Hashem et les bonnes actions d'une femme, c'est plus important que la bonne famille, et la bonne famille, c'est bien important que la beauté. Vechen ou Omer, alors là, il y a un pasuk très compliqué à comprendre qu'est-ce qu'il fait là, et qu'est-ce que ça veut dire exactement, si je vais vous expliquer. D'abord, on traduit. Vechen ou Omer, comme ainsi aussi nous dit le verset, en deux mots, au sens simple, ça va nous apprendre que le jour de Yom Kippour, parce que jusqu'à maintenant, on expliquait pour tout bien, mais pourquoi pour Yom Kippour? Yom Kippour, c'est le jour. C'est quoi Yom Kippour? C'est le jour du grand pardon. C'est quoi le grand pardon? C'est le jour Hachem, il a redonné, il a refait le brit avec l'homme Israël. C'est un jour d'alliance avec entre Kadosh Baruch Hu et Am Israël. Moshe Rabbeinu est redescendu avec les tables de la loi. C'est là où il nous a ordonné le Mishkan, et quelques jours après, on a commencé le Mishkan. Donc du coup, Vechen Omer, ainsi dit le verset, Tsehena Ur Ena Benot Tzion. Sortez donc, et voyez les jeunes filles de Tzion, de Yerushalayim, ben Melech Shlomo, dans le roi Shlomo, ba Atara Sheiterlo, Imo Biyom Chatunato, Biyom Simchat Libo. Alors c'est long, lisez dans le Shira Neshama, bien sûr, que j'ai moi-même écrit, qu'il y avait là-bas on explique ce passouk, en fait, que les Am Israël invitent les Bnot Zion, qui sont toutes les autres nations, à aller regarder comment Hachem, il a donné la gloire au Am Israël durant ce jour-là de Yom Kippour, Ba'atara avec la couronne qui nous a couronnés, que Beyom Chatunato, Yom Simchatilbo, le jour de son mariage et le jour de sa grande joie. Beyom Chatunato,
le jour de son mariage, Zomatan Torah, c'est le jour de Matan Torah, on a renoué l'alliance avec Hachem. Au Viom Simratileboy, le jour de la grande joie, c'est quoi? C'est Binyan Betamigdash. C'était le jour du Betamigdash que ces deux événements se sont produits à Yom Kippour, parce que Shlomo HaMelech, il a fini de faire le... Il a fini de construire le Betamigdash le 7 Tishrei. Il fallait pas repousser la... Il fallait pas repousser la Chanukat HaMizbeach, Chanukat HaMishka, Betamigdash. Ils ont fait la Chanukat tout de suite, donc du coup, durant cette année-là, ils ont pas fait Yom Kippour, ils ont mangé, ils ont fait la joie, de, ils se sont réjouis devant Hachem, ils ont mangé des korbanot et tout ça, et c'était le même jour que c'est le jour où on est arrivé à Yom Kippour, c'était un jour de Matan Torah qui a été à la fois le jour du Minyan Beit HaMikdash, Shibaneh Bimera Be'enu Amen, qui soit reconstruit prochainement. Très succinctement maintenant, un petit mot pour l'explication du Tiferet Israël, qui explique la fin de la Mishnah tout autrement. Comme on a dit, dans la Mishnah c'est écrit qu'on fait qu'il y avait ces filles qui partaient faire ces rondes à Tou Be'av et à Yom Kippour. Et on a un problème avec la Mishnah qu'on ne comprend pas. Maintenant, à part ça, il y a une question supplémentaire. C'est quand même Kippour. Franchement, on est tous à souk. On est tous occupés en train de faire Tchouba et Tfilot. C'est un peu étonnant de dire qu'il partait, et même combien c'est Kadosh. De se marier, mais c'est pas le moment. C'est-à-dire, il y a chaque chose dans son temps. Donc pourquoi il faisait ça, Yom Kippour? En fait, il explique que non. Il explique que toute la fin de la Mishnah vient nous dire qu'en réalité, à Yom Kippour, c'est Am Israël qui dit ça à son Bachour. C'est qui le Bachour dans Shir HaShirim? Hachem, c'est lui notre Bachour. C'est Am Israël qui dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ne regarde pas, on a la beauté, mais ne regarde pas la beauté, on a la famille, on a nos ancêtres, l'homme Israël, les Avot HaKdoshim, mais ne regarde pas, même pas la Avot HaKdoshim, regarde-nous qu'on est là ce jour-là, en train de faire Tshuva devant toi, et en train de dire Sana, et regarde notre Irat Shamaim, Irat Hashem, on craint devant toi et on veut nous te retrouver, et de ce fait, on lui demande qu'il nous reconstruise le Beit HaMikdash, qu'il nous reprenne en Kala, durant ce jour-là, en fait, comme ça, il interprète le Tiferet Israël. Bon, c'est un beau de rouge, très joli. Je ne sais pas si ça rentre bien dans le pshat de la Mishnah, parce que la Gemara parle concrètement, qui est réellement, c'est dense. Pour le moment, pour notre propos, on a Baruch Hashem fini Masechet Ta'anit. Un petit mot d'abord pour débuter Masechet Megillah. Megillah Nikret, Be'echad Asar. La Megillah, on pourra la lire à partir du 11 Adar, 12 Adar, on verra exactement de quoi on parle exactement. Pour le moment, on fait notre petit Sioum en vous souhaitant Baruch Hashem un grand Mazal Tov. Adran Alach Masechet Ta'anit Vedata Chalan. Et qu'on ait le mérite ensemble de continuer à avancer. Bientôt, la fin du Seder Moed, la moitié du chasse des Mishnayot extraordinaire. Il en restera quand même, bien sûr, après Nechim, et puis après, il faudra attaquer Zeraïm et Kochim. Ça reviendra, chaque chose en son temps, Bezrat Hashem. Pour le moment, Mazal Tov, Mazal Tov. Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Baruch Hu Gefenu. Et Kol Tov, c'est là.